Hurley. Salut Marc, alors ça baigne, je te cherchais. Content de te voir. Hé, hey, mais ça va pas de nous planter ta planche de surf sous le nez, c'est dangereux, tu sais. Hey, je suis désolé, c'est parce que j'étais tellement content de vous voir que j'ai volé vers vous. C'est pas une raison. Dis-moi Marc, ça te dirait de faire un petit match contre notre équipe de foot? Comment ça, notre équipe de foot? Bah ouais quoi, je suis dans une équipe maintenant. Toi, dans une équipe de foot? Quand je vous ai vu jouer l'autre fois, j'ai trouvé ça intéressant, alors je me suis dit pourquoi pas. Enfin bref. Enfin bref quoi? Ben j'étais avec les copains et je leur ai parlé de vous. Je leur ai dit que vous étiez l'équipe de Raymond. Les vainqueurs du tournoi football, je sais plus quoi. Et ils ont halluciné et depuis, ils ont trop envie de jouer contre vous. Alors qu'est-ce que tu en dis Marc? Tu vas bien te laisser tenter par un match? En tout cas moi, j'ai vraiment très envie de rejouer au foot avec vous. Oui, moi aussi Hurley. Ça me dit bien. Non? Pas vous, les gars? Ouais! Ce serait super de jouer contre vous. Hein? Désolé, les enfants. C'est hors de question. Quoi? Au rythme du football! Mais qui c'est, celle-là? Elle, ben, c'est Madame Schiller, notre entraîneur. Ah, votre entraîneur? Bah dis donc, ça n'a pas l'air de rigoler des masses avec elle, non? Je suppose que vous n'avez pas déjà oublié ce qui s'est passé hier. Hier? De quoi vous parlez? Je suis le capitaine de prominence de l'Académie Alius. Comme vous l'avez remarqué, vos nouveaux adversaires sont chaque fois un peu plus forts. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps à jouer contre une équipe locale de faible niveau. C'est pas ça qui vous aidera à vous améliorer. Hop, 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 un petit instant. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est une équipe de faible niveau. C'est injuste et c'est complètement faux. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais l'équipe Maritime Mémorial est la meilleure de toutes les îles. Elle était même sur le point d'aller au tournoi machin chose, là, j'ai oublié le nom. Quoi? Tu veux parler du tournoi Football Frontière? Ouais, voilà, c'est ça, mais ils ont pas pu y aller pour une raison vraiment trop bête. En même temps que l'équipe s'apprêtait à jouer la phase finale des qualifications, avait lieu la fête du village. Et notre entraîneur s'éclatait tellement à faire la fête qu'il en a oublié le match. Quoi? Quand il s'en est rendu compte, il était trop tard. Notre équipe a été disqualifiée parce que nous n'avions pas d'entraîneur. Attends, t'es pas sérieux? Ah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Comment ça, c'est pas grave? C'est pas la fin du monde, un match, c'est un match. Alors, on peut jouer, oui ou non? Je crois qu'on peut maintenant, non, coach? Un bon match. Bien, faites comme vous voulez. Bon, ok, bien dans ce cas, en route, tout le monde vous attend. Nous y voilà, nous sommes arrivés au Maritime Mémorial. Oh wow. Attends, c'est ça votre collège? Que c'est beau! Waouh, la mer est d'un bleu, c'est incroyable! Bah ouais, elle est comme ça l'eau par ici. J'ai l'impression d'être au paradis! Oui, ça doit vraiment être génial de pouvoir jouer au foot dans un cadre aussi magnifique! Thor aurait adoré cet endroit. Dommage qu'il ne soit pas venu. Eh bien, ça confirme ce que je pensais. Quand on partira en voyage de noces, j'espère qu'on ira dans un endroit comme celui-ci. Je compte sur toi, m'amour, tu t'en souviendras? Allez, quoi, s'il te plaît, c'est absolument sublime, cet endroit! Bah alors, où elle est, cette équipe de football? C'est étrange, ça, tout de même. Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi il n'y a personne? Oh! Surprise! Surprise! Bienvenue aux joueurs du Collège Raymond. On vous a bien vu, hein? Vous vous y attendiez pas, hein? Alors comme ça, c'est lui votre entraîneur? Vous avez vu, c'est un marrant le gars, hein? Oui, c'est sûr, avec un tel entraîneur, pas c'était étonnant pas... que vous ayez loupé le dernier match de qualification. Oh, Madame Schiller,
C'est un véritable honneur. Jamais je n'aurais imaginé rencontrer un jour l'entraîneur qui, avec son équipe, a remporté le tournoi Football Frontier. J'ai vu tous vos matchs et on sentait bien à travers leur jeu la patte de leur entraîneur. Entraîneur auquel j'aimerais demander des petits conseils un de ces soirs, la nuit tombée, quand on sera un petit peu plus au calme, tous les deux. Mais oui, certainement. Je suis sûre que Monsieur Hillman se fera un plaisir de vous donner des conseils. Monsieur Hillman, mais c'est qui celui-là? Ah oui, Hillman. Oh, mais c'est que je suis si distrait et puis... Ah, vous vous semblez tellement que je vous ai confondu. Mais dis-moi, vous êtes tous aussi décontractés dans votre équipe? Bah ouais, on prend toujours la vie du bon côté, on se la joue cool quoi. Le grand gars là, il est tellement cool qu'on le surnomme Mr. Cool. Et lui, il est passé maître dans l'art de la coolitude. Lui, il ne s'est jamais énervé de sa vie, c'est le roi des cools. Et enfin, lui, il a un masque et un tuba, bah parce qu'il coule. Ouais, ouais, vous êtes tous super cool, j'ai pigé. Mais le plus cool de tous, c'est celui-là. Bienvenue aux joueurs du Collège Raymond. Je vous présente le mec qui a un feeling d'enfer, Cadence Soundtown. Salut, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis sûre qu'on va passer un bon moment. Bon, moi je retourne à la caravane. Hein? Non, reste, s'il te plaît! Chers auditeurs, vous qui suivez tous les matchs de Raymond, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous commenter la rencontre entre votre équipe préférée, arrivée récemment dans les mers du Sud, et l'équipe maritime Mémorial. Pour le match d'aujourd'hui, nous allons mettre Sue et Willy en attaque. Darren, toi, j'aimerais que tu joues en milieu de terrain. Oui, très bien. Je sais que ça fait pas mal de temps que tu n'as pas occupé ce poste, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Oui, je ferai de mon mieux. Bon, je compte sur vous pour être super motivé. Je sais que nos adversaires sont un peu bizarres, mais faut pas les sous-estimer, on va jouer comme d'habitude. Ouais! Allez, on vous fait confiance, vous allez gagner! Je sens qu'on va adorer ce match, hein, les gars? Ouais! Alors, voyons voir où je me mets, moi. Non. Ah ouais, voilà. Les deux équipes sont sur le terrain. Le match est sur le point de commencer. Allez les jeunes, donnez-vous à fond! Allez Maritime, allez! Allez Maritime, allez! Allez Maritime! Bon, moi allez je retourne à la caravane. Allez, Maritime, hein? Allez non, reste ici! Et c'est parti pour le match! Allez, au taquet les gars! Dites-moi, à quoi il joue? Qu'est-ce qu'il fabrique? Poum, papoum, 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 poum, papoum. Oh, ils ont l'air de bien s'éclater là-bas. Attendez-moi, les copains, j'arrive. Mackenzie, à toi. Hein? Incroyable! Hurley Kane a réussi à bloquer le ballon en plein vol. Oh. Bien joué, petit gars. Ouais, super Hurley, c'était vachement impressionnant. Mais pourquoi faire ça en pleine action? À quoi ça leur sert? Ça n'a aucun sens. Ouais, ça c'est sûr. Hein? Non, Lily. On continue comme ça. Top. Si tu crois que c'est avec ces espèces de figures de surf que tu vas gagner, tu te mets le doigt dans l'œil. On passe sur une mesure à quatre temps. Magnifique action du joueur de Maritime qui subtilise le ballon à Raymond. Ouais, c'est impeccable, Tom Batty, continue comme ça. La tour. Andate, mesure à trois temps. Maritime parvient à esquiver la tour. Alors là, j'arrive pas à le croire. Il a contourné la tour de Tori comme si de rien n'était. Attendez-moi, j'arrive.
Tous les joueurs de Maritime jouent au même rythme. Ils accélèrent et montent à l'attaque. Et voilà qu'ils s'apprêtent à effectuer une super technique. Attaque de l'aigle. Ouais, les gars, mettez-leur un but. Fais attention, Marc. Magique. Grâce à la main magique, Mark Evans a arrêté le tir sans le moindre problème. Mais qu'est-ce qui leur prend? On arrête leur tir et eux, ils ont l'air super contents. Ouais, joli tir, les gars! Ne vous arrêtez pas, continuez comme ça! Bah, il faut dire qu'ils ne jouent pas si mal que ça. Hein? Oui, leur super technique est intéressante, mais je suis surtout étonnée qu'ils aient aussi bien réussi à coordonner leur attaque. Plus à droite, les gars! J'hallucine, il a trop la classe comme gardien, Marc. Arrêtez un tir pareil, c'est balèze. Ouah! C'est excellent, franchement, j'ai adoré! Allez, les gars, à l'attaque! Laissez-la moi, je m'en occupe! Hein? Hein? Oh, magnifique dribble! Oh, c'est pas vrai, ça! Mesure à quatre temps! Hey. Une nouvelle fois, Raymond se fait voler le ballon! Mesure à trois temps! Mesure à deux temps! Pourquoi les joueurs de Raymond n'arrivent pas à garder le ballon? C'est comme si leurs adversaires devinaient tous leurs mouvements! Mesure à quatre temps! Oh bon sang! Mais comment ils ont fait pour me chipper? Oh là là, c'est terrible! Toukoutoum, 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 toukoutoum. Raymond ne parvient pas à conserver le ballon. Pour l'instant, c'est l'équipe de Maritime qui impose son rythme au match. Ouais, super, c'est bien, les gars. Allez, continuez comme ça. Mais enfin, comment peuvent-ils prévoir nos mouvements avec autant de précision? Ouais, je l'ai. Je m'en occupe. Pourquoi j'ai pas pu lui reprendre le ballon? Mesure à quatre temps! Oh, c'est vraiment dommage, ça! Une fois encore, Raymond perd le ballon! Se pourrait-il que ce garçon... Mais si c'est le cas, comment arrive-t-il à faire ça? Table de la mort! Adagio! Mesure à trois temps! D'accord, je vois, c'est donc ça, hein. Yeah! Attention, l'équipe de Maritime prépare une nouvelle attaque. Yeah! Attaque de l'aigle! Malgré la pression de Maritime, le score est toujours de 0 à 0. Mark Evans s'apprête à faire un dégagement pour Raymond. Quoi? Il calcule le rythme? Oui, c'est ça. Oh. À chaque fois qu'on essaye de leur reprendre le ballon, ce type fait son petit calcul dans sa tête. Il en déduit le rythme de nos joueurs et prévient ses coéquipiers de la démarche à suivre pour contrer nos mouvements. Alors c'est pour ça qu'on n'est jamais arrivé à leur prendre le ballon. Mais ça ne lui laisserait que quelques secondes, il n'a pas assez de temps. Ça voudrait dire qu'il arrive à faire le calcul quasiment instantanément. Eh bien, en fait, je crois que ce garçon a un sens du rythme vraiment exceptionnel. Si on veut le contrer, on va être obligé de ralentir tous nos mouvements, d'accord? Oui! Jude Sharp fonce vers le camp adverse! L'heure de la contre-attaque est-elle arrivée? Eric, maintenant! Mesure à quatre temps! Le joueur de Maritime tente de lui dérober le ballon! Maintenant, il faut que je ralentisse! Ça y est! Les joueurs de Raymond ont réussi à se faire une passe! Ouais, bravo! Ouais, Jude, bien joué! Mesure à trois temps! C'est le moment. Je dois ralentir. Oh! Eric Eagle parvient à esquiver. On dirait que Raymond est enfin entré dans le match. Tu passeras pas! Tenez, faites-leur la danse des papillons! Danse des papillons!
Raymond tente une super technique. Excavation. But. Raymond réussit enfin à ouvrir le score et mène maintenant 1-0. On a marqué. Ça y est. Bravo les filles, bien joué. Ouais. On leur a marqué un but et ils sont toujours aussi heureux. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps qui se termine donc sur le score de 1-0 pour Raymond. Ouais. Cette fois, ils ont peut-être réussi à modifier leur rythme, mais ils oublient un petit détail. On ne triche pas avec le rythme, on l'a dans la peau. Vous vous en êtes bien sortis. Maintenant, vous menez au score. Ouais. Mais ils jouent super bien, c'est pas encore gagné. Ça m'étonne pas qu'ils étaient à deux doigts de se qualifier pour le tournoi Football Frontières, parce que franchement, ils assurent. Ces adversaires sont plus redoutables que je ne l'imaginais. Hein? Hey, dis, ça va, Darren? Hein? Ouais, ça va. Bah, dis donc, elle est super forte, cette équipe de Raymond. Ouais, la super technique qu'ils nous ont sortie était imparable. Peut-être, mais jusqu'ici, c'est vous qui avez mené le jeu. Je compte sur vous pour rester sur ce rythme pendant la deuxième mi-temps. J'avoue que cette équipe de Raymond joue super bien. Dis-moi, Spring, comment on fait pour dribbler? Non! Qu'est-ce qui t'arrive, Hurley? Ça va pas? T'en fais une drôle de tête. T'as mal au ventre ou quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe, c'est que... à chaque fois que j'essaye de leur prendre le ballon, ils me dribblent et ils arrivent à passer. Tout ce que je sais faire, c'est attraper le ballon en l'air, mais ça ne suffit pas. Non, s'il vous plaît, les gars, aidez-moi. Apprenez-moi à dribbler. Hein? Hein? Toi, Hurley, c'est pas possible. Ne dis pas qu'ils ont réussi à t'énerver. Non, mais non, arrêtez de flipper, c'était juste pour rire. Je vous ai bien eu, hein. La tête que vous faites, trop bon. Mais attends, c'était une blague. Ouf, tu nous as fichu la frousse. La deuxième mi-temps est sur le point de commencer. Je vous rappelle le score, Raymond mène par 1-0. Et on va continuer à leur mettre des buts, hein les gars? Ouais. Cette fois, je vous en empêcherai. Et c'est parti. Raymond donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Vu comme ils montent à l'attaque, ils ont l'air bien décidés à marquer un autre but. Raymond! Ouais, vas-y Eric, à l'attaque! Cette fois, je vais réussir. Hein? Eric passe le joueur de Maritime. Ouh, attention! Darren, la chance est tombée! J'arrive, Darren! J'ai trouvé. Il faut ralentir le rythme d'un 16e de temps. Raymond se fait encore une fois dérober le ballon! Mackenzie, à toi! Ouais, je l'ai! Je vais t'aider, Darren! Tori a laissé une brèche dans la défense de Raymond. Maintenant! Attaque de l'aigle! Marc, arrête-le! Je m'en occupe! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Encore loupé! Darren! On continue sur ce rythme. Mais qu'est-ce qui arrive aux joueurs de Raymond? Tout à coup, ils font tout de travers. Sans issue. Attention, Eric. J'ai compris. Ils ont découvert quel était le point faible de notre équipe. Pour élaborer un rythme, il faut que tous les éléments s'enchaînent à la perfection. Si un seul de ces éléments n'est pas en place, tout le rythme s'effondre. C'est de la logique pure.
Le match est loin d'être fini. À l'ordinaire, montre-leur de quoi on est capable. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce football rythmique du Maritime Mémorial? Pour les vaincre, je ne vais pas avoir le choix. Va falloir que je maîtrise le point de la justice. Et c'est toi, Hurley, qui va m'aider à y parvenir. Rendez-vous au prochain épisode. Le point de la justice rugit. Ça, c'est du sport.